et bienvenue sur votre chaîne des chansons au bout des doigts. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tutoriel de Arcadian. Puisque vous avez adoré ton combat, aujourd'hui je vous propose Folie Arcadienne. Mais avant, je vous invite à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. C'est parti! Morceau, et pour appliquer la bonne rythmique et la bonne technique, je vous propose de jeter un coup d'œil sur la formation Le Piano en 5 mois, ici. Vous y trouverez tous les accompagnements indispensables pour devenir un excellent pianiste moderne. C'est parti, je vous montre les 4 accords de ce morceau. On commence avec un Sol majeur. J'ai choisi de faire une octave à la main gauche pour épaissir un petit peu le son. Vous pouvez simplement faire une note si vous voulez. Ça fera bleu et bleu à la main gauche, et à la main droite, orange, bleu, et rose. Faites pas attention sur ce piano-là, j'ai des gommettes noires, mais ça remplace la gommette rose. Ensuite, on va avoir un accord de Si mineur. Donc ma main gauche vient faire une octave de gommette rose, ou de gommette noire sur mon piano. Et à la main droite, on va avoir orange, vert bleu et rose. Sol, Si mineur. Ensuite, on aura un accord de Ré majeur. Donc, orange, orange à la main gauche. Et à la main droite, on aura orange, vert bleu et violet. Pour terminer, on aura un accord de La majeur. Ça fera violet, violet à la main gauche. Et à la main droite, on aura rouge, orange, jaune et violet. Sol, Si mineur, Ré majeur, La majeur. Passons maintenant à la rythmique. Il s'agit ici d'une rythmique en pompe, mais on va avoir une légère modification. Donc, je vous l'explique. Ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est qu'une rythmique en pompe, n'oubliez pas de jeter un coup d'œil dans la petite formation, parce que je ne la remontrerai pas en détail dans ce tutoriel. C'est parti! Hop! On va alterner entre main gauche et main droite, comme d'habitude, sauf que, pour faire la première pompe, je vais jouer deux fois la main droite. 1, 2, et après une seule fois. 4 accords qu'on a vus dans le même ordre, il va inverser les deux accords de la fin. Il va faire Sol, Si, ensuite il fera La et Ré. Donc vous aurez juste à alterner ces deux grilles. Par exemple, si j'en joue deux d'affilée, ça ferait Sol, Si, La, Ré, Sol, Si, Ré et La. À vous de jouer! Voilà pour ce tutoriel, c'est terminé. Merci de l'avoir suivi. Si tu as un commentaire ou une question, n'hésite pas à me le laisser sous la vidéo. Je t'invite aussi, comme d'habitude, à me laisser une suggestion de morceau pour le mois prochain. Pour ceux qui le souhaitent, n'oubliez pas de télécharger gratuitement la partition du tutoriel. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo.